إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours numéro 31 aujourd'hui et on lit l'explication du hadith numéro 24 dans Sharh al-Arba'un al-Nawawiyya. On est arrivé au hadith de Abi Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, qui est un hadith Qudsi, rapporté par Abi Dharr al-Ghifari, rapporté selon Muslim. Il dit en Abi Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على وعليكم السلام ورحمة الله كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد من يعني كان على قلبي كان على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر أو إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Donc ça c'est un très très grand hadith rapporté par Abi Dharr al-Ghifari, un des grands sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les choses qu'il transmet de son Seigneur, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô mon serviteur, j'ai interdit l'injustice pour moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne vous faites pas de l'injustice les uns envers les autres. Ô mon serviteur, vous êtes tous égarés, excepté celui que j'ai guidé. Alors cherchez ma guidance et je vous guiderai. Ô mon serviteur, vous êtes tous affamés, excepté celui que j'ai nourri. Alors demandez-moi la nourriture, ou demandez-moi de vous nourrir, demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mon serviteur, vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai vêtu, que j'ai couvert. Alors, demandez-moi
de vous couvrir et de vous vêtir, et je vous vêtirai. Ô mon serviteur, vous faites des péchés jour et nuit, ou la nuit et le jour. Et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez mon pardon et je vous pardonnerai. Ô mon serviteur, vous n'arriverez jamais à me faire du tort. Vous n'arriverez jamais à me faire un tort quelconque pour me nuire. Et vous n'arriverez jamais non plus à me profiter pour me faire un bien quelconque. Ô mon serviteur, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, c'est-à-dire du premier au dernier, que vous soyez des hommes ou des djinns, si vous étiez tous avec le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'aurait rien augmenté de ce qui est dans mon royaume. Ô mon serviteur, si du premier au dernier d'entre vous, parmi les êtres humains ou parmi les djinns, si vous étiez tous avec le cœur de celui qui est le plus pervers d'entre vous, cela n'aurait rien diminué de mon royaume. Ô mon serviteur, si du premier au dernier d'entre vous, vous vous teniez tous, que vous soyez des djinns et les djinns et les hommes ensemble, que vous seriez tous réunis dans un seul champ, hein, dans un seul terrain, et que vous me demandiez tout ce que vous voulez, et que je donnais à chaque homme ce qu'il a demandé, cela n'aurait rien fait diminuer de mon royaume. C'est-à-dire l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mentionne des paroles d'Allah ici, il dit que même si tu prends une aiguille et que tu la trempes dans l'océan et que tu la fais sortir, il dit la quantité d'eau qui sortirait avec cette aiguille lorsque tu l'as trempée dans l'océan, eh bien, ce serait même pas cette quantité-là qui aurait diminué du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même s'il aurait donné à chaque homme, à chaque djinn, qu'est-ce qu'il demande, hein, et qu'ils étaient tous réunis ensemble en train de demander ce qu'ils veulent, et qu'il donnait à chacun d'entre eux ce qu'il voulait, ça n'aurait même pas fait perdre, diminuer de ce que Allah possède, même pas la quantité de la molécule d'eau, hein, qui sort d'une aiguille lorsque tu la trempes dans l'océan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô mon serviteur, ce n'est que vos actions que je calcule et que je compte. Puis, je vous récompense ou je vous rétribue selon ces actions-là. Alors, celui qui trouve du bien, alors qu'il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouve autre que ça, autre que du bien, alors qu'il ne blâme que lui-même. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein, celui qui trouve autre que du bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. Ça c'est rapporté par Muslim, comme on a dit. Le cheikh explique maintenant ce hadith-là, qui est un grand hadith, comme on a expliqué. Il dit « هذا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو ما يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر لأن الحديث على قسمين الأول حديث قدسي وهو ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه والثاني حديث نبوي وهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه وأما الحديث النبوي فمعناه من الله أي هو وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, il commence par expliquer que il y a deux catégories de hadiths. Il y a ce hadith qui fait partie des hadiths qudsi. C'est un grand hadith qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça le hadith al-qudsi. Et pourquoi on l'appelle qudsi? Parce que ça vient du mot quds en arabe qui signifie la pureté. Et donc, c'est des hadiths saints, hein, la sainteté ou la pureté. D'accord? Et donc, c'est un hadith saint. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Donc le hadith est divisé en deux catégories. Le premier, c'est le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah dans les mots qui sont utilisés et dans la signification également. Donc ça, c'est un hadith Qudsi, ça comprend la parole d'Allah dans les mots qui sont utilisés et dans la signification également. Tandis que il y a le hadith nabawi, ça c'est la deuxième catégorie. Le hadith nabawi, c'est un hadith qui est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith al-Qudsi, il est donc la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah dans les mots qui sont utilisés et dans sa signification également. Sauf que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les transmet de la part de son Seigneur. Hein? Tandis que le hadith nabawi, c'est yani les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, sauf que c'est la signification de ces paroles-là, elles viennent d'Allah, parce que c'est une révélation. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la sunna, ça fait partie de la révélation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation qui lui est révélée. Donc la sunna, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que les mots qui sont utilisés sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour le hadith nabawi. ففي هذا الحديث أمور عظيمة قوله سبحانه يا عبادي وتكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث يدل على تلطف الله جل وعلا بعباده ورأفته بهم فإنه غني عنهم ومع ذلك يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم. Le cheikh, il dit que, premièrement, dans ce hadith-là, il y a des choses qui sont très grandes, très importantes. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans ce hadith-là, il dit, il commence toujours en disant, Ya ibadi, ô mon serviteur. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le répète à chaque phrase et à chaque point du hadith. Ça indique, en fait, la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et son, comment sa clémence et sa douceur envers ses serviteurs, parce qu'il est al-latif, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le doux, hein. Et le cheikh il dit que malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani, il se suffit à lui-même et qu'il n'a besoin de rien et qu'il n'a besoin de personne et qu'il se suffit à lui-même, hein, et malgré ça, il les appelle, il les invoque, il appelle son serviteur. Et il insiste, hein, en mentionnant à chaque fois, ô mon serviteur, ô mon serviteur. Donc c'est comme si il insistait, yani, et il confirme après, phrase après phrase, que, yani, il veut du bien pour son serviteur. Et donc, c'est pour leur bien à eux, et non pas pour lui, hein, parce que lui, il n'a pas besoin de ses serviteurs. Donc le cheikh dit, والعباد جمع عبد والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى فكل الناس مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم كل الخلق عباد لله بالمعنى العام فكلهم عباد لله مملوكون له ويتصرف فيهم مخلوقون لله لا أحد يخرج عن هذا قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وهذه عبودية قهر واضطرار لا أحد يخرج عنها تجري عليهم أقدار الله وقضاؤه. لشيخ الذكر dans le hadith, Allah سبحانه وتعالى il dit à chaque fois, ô mon serviteur, يا عبادي. Le mot عبادي, ça veut dire mon serviteur, mon esclave. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle comme ça. Et le cheikh, il dit que le mot ibad, hein, ibad c'est le pluriel du mot abd en arabe. Et le mot abd, comme on a dit, c'est serviteur ou esclave. Et al-ubudiyya, le fait d'être un serviteur ou d'être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'humilie et qu'on se soumet, hein, et qu'on se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on s'humilie et qu'on se remplit d'humilité devant lui, hein, on se fait humble et petit devant lui. Donc en réalité tous les hommes,
que ce soit des croyants ou des non-croyants, des mu'min ou des mu'minines ou des kuffar, des djinns ou des hommes ou des anges, toutes les créatures sont des serviteurs et des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens général. Parce qu'il y a deux sens au terme serviteur ou esclave. Il y a le sens général qui inclut toutes les créatures, puis il y a le sens particulier dans le sens de l'adoration qui est plus particulière et qui est volontaire. C'est-à-dire que tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou non, ils sont soumis à Dieu, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. D'accord? Ça c'est le fait qu'ils sont ibad, qu'ils sont des esclaves d'Allah et des serviteurs d'Allah de façon involontaire, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, puisqu'ils sont soumis à la volonté d'Allah et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé dans sa création et qu'il a établi dans l'univers. Toutefois, dans un sens plus particulier, il y a les adorateurs d'Allah et les serviteurs d'Allah qui se soumettent volontairement à sa volonté dans sa révélation, qui croient en ses messagers et qui acceptent ses lois qui sont révélées et qui obéissent à ses ordres et qui établissent son unicité, son tawhid. Donc ça c'est l'ibadah ou l'adoration ou le fait d'être un serviteur ou un esclave d'Allah dans le sens plus spécifique et plus particulier. D'accord? Et c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Donc il dit, dans le sens général, on est tous des serviteurs d'Allah, peu importe qu'on soit un homme ou un djinn ou un croyant ou un non-croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 93 dans surat Maryam qu'il n'y a rien dans les cieux et dans la terre, il n'y a personne dans les cieux et dans la terre, excepté qu'au jour de la résurrection, il va venir à Allah subhanahu wa ta'ala en esclave, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette ubudiyya, cette servitude devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est une servitude d'imposition de pouvoir et d'imposition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont personne ne peut sortir, personne ne peut s'en échapper, hein, et elle fonctionne sur toute la création par le décret d'Allah et par sa prédestination, et donc on ne peut pas s'en échapper de cette servitude-là et de cette soumission-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Même celui parmi les kuffars qui dit « Non, moi je ne me soumets pas à Dieu », il ne peut pas aller contre la loi de Dieu dans l'univers. Hein? S'il a faim, il y a juste jusqu'à une limite où il peut s'empêcher de manger, sinon il va mourir. Il n'y a personne qui peut dire « Non, moi ça y est, je ne veux plus rien savoir, je vais m'opposer à la loi d'Allah et je vais arrêter de manger. » Ou bien quelqu'un qui dit « Ah non, ça y est, moi je vais m'arrêter de respirer, ou je vais arrêter mon cœur de battre. » Il ne peut pas, hein? Sinon il meurt. Si quelqu'un dit « Non, ça y est, moi je ne vais pas aller aux toilettes, je vais me retenir. » Jusqu'à combien de temps il pourra se retenir? Hein? Il y a des limites. Parce qu'il est soumis aux lois divines, aux lois d'Allah. Et même s'il refuse cette réalité-là, il n'a pas le choix, hein, dans cette réalité-là. Tandis que l'autre sorte de ubudiyya dont on parle, c'est la deuxième catégorie. النوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الاختيار وتكون بطاعة الله تعالى والانقياد له وهي باختيار العبد إن شاء فعلها وإن شاء تركها فهي عبودية خاصة. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي المراد العبودية الخاصة وهم المؤمنون، ليس للشيطان عليهم سلطان لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله وعبدوه سبحانه فهي عبودية خاصة. Donc le cheikh dit la deuxième catégorie de عبودية, de servitude ou de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'être un serviteur d'Allah de façon volontaire, dans le sens que on adore Allah et on se soumet à Allah par notre choix, parce que on a voulu y aller obéir à ses ordres et se soumettre à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un choix à la créature. Celui qui veut se soumettre, il le fait. Celui qui l'abandonne, l'obéissance et la soumission, il l'abandonne. Et donc, on parle ici d'une catégorie d'adoration ou de ubudiyya, le fait d'être un serviteur ou un esclave d'Allah qui est plus particulière. Et il mentionne le verset 42 dans surat al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et mon serviteur, tu n'auras sur lui aucune autorité, aucun pouvoir. » C'est-à-dire qu'il s'adresse au diable,
Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au shaitan, au diable, et il lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. Le serviteur dont on parle ici, c'est celui qui s'est soumis volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est croyant, qui est un croyant. D'accord? Donc ça c'est une ubudiyya, hein? C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est, qui s'est soumis à Allah, qui est devenu un serviteur d'Allah volontairement et qui a cru en Allah. Et donc le shaytan n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur lui. Parce que Allah protège ce croyant-là du shaytan, protège le croyant contre le shaytan. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réfugiés vers lui, ils se sont réfugiés vers Allah, hein, et ils l'ont adoré. Et donc ça c'est une sorte de soumission ou de ubudiyya, le fait d'être un esclave et un serviteur d'Allah qui est particulière par rapport à celle dont on a parlé tout à l'heure. فالله يخاطب جميع العباد العبودية العامة والعبودية الخاصة فيقول يا عبادي بهذا النداء الإلهي. Donc le shaykh il dit que dans ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux deux catégories, aux gens de la première catégorie de ubudiyya, celle qui est générale, et aux gens de la deuxième catégorie de ubudiyya, celle qui est particulière. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith il s'adresse aux croyants et aux non-croyants aussi, pas seulement aux croyants. Et donc il dit « Ô mon serviteur !» Donc c'est un appel général, divin, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la création. Il dit « Allah subhanahu wa ta'ala « Inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tazalamu. Al-zulmu fil lugha, wad'u shay'i fi ghayri mawdi'i, wa huwa thalathatu aqsam. القسم الأول ظلم بين العبد وربه وذلك بالشرك وهذا لا يغفره الله تعالى إن الله لا يغفر إن الشرك لظلم عظيم يعني وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc, le cheikh, il dit que, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mon serviteur, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne vous faites pas de l'injustice les uns les autres. L'injustice dont on parle ici, à zulm, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de mettre une chose autre qu'à sa vraie place. De mettre quelque chose là où elle n'est pas à sa place. Hein? Et c'est de trois catégories. Trois catégories. La première catégorie, c'est l'injustice qui existe entre le serviteur et son créateur, et son maître, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est par le shirk, par le fait de donner à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Ça, c'est la plus grande forme d'injustice. Allah ne pardonnera jamais cette catégorie d'injustice-là. Il dit dans le Coran, dans Surat Luqman, le verset 13, le shirk est certes la plus grande forme d'injustice. Et il mentionne également dans le verset 82 dans Surat Al-An'am, et ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, parce que le terme zulm dans ce verset, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, il désigne le shirk, l'injustice dans ce verset désigne l'injustice. Et ça, Allah ne va pas le pardonner à quelqu'un, excepté si, bien entendu, il s'est repenti avant la mort. Si quelqu'un s'est repenti du shirk qu'il a commis et qu'il a accepté l'islam, qu'il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'il s'est arrêté de commettre le shirk ou le kufr, alors dans ce cas-là, certes, Allah va le pardonner avant sa mort. Mais s'il meurt sans se repentir du shirk, il n'aura pas de pardon, il n'y aura pas de pardon pour lui. النوع الثاني الظلم بين العبد ونفسه وذلك بالمعاصي والسيئات فهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو الذي ظلم نفسه يعني وضعها في غير موضعها اللائق بها ظلم نفسه فيما دون الشرك فهذا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La deuxième catégorie d'injustice, c'est l'injustice entre le serviteur et lui-même. Celui qui se fait du tort à lui-même, qui se fait du mal à lui-même, et c'est en faisant des péchés, et en faisant des choses qui sont mauvaises, alors il s'est fait du tort à lui-même. Et c'est-à-dire qu'il a mis, il s'est mis dans un endroit où il ne devait pas être, un endroit qui ne lui convient pas. Il s'est fait du tort à lui-même en faisant des péchés qui sont moindres que le shirk. Donc ça, si c'est moindre que le shirk, Allah va lui pardonner s'il, par sa miséricorde, s'il meurt sans s'en repentir, Allah peut lui pardonner, ou il peut le punir également. Il pardonne à qui il veut. Donc, celui qui commet un péché qui est moins grave que le shirk, ou le kufr, et qui meurt sans s'en repentir, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. Sinon, il peut le punir un certain temps également. Bien entendu, il ne demeurera pas éternellement dans l'enfer, puisqu'il a quand même la base du tawhid en lui. Et Allah, il dit dans le Coran, dans le verset 48, dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui dans l'adoration, qu'on lui donne des partenaires dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché que ça à qui il veut. Et la troisième catégorie, c'est ظلم بين الإنسان والناس بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون وإلا فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه والله تعالى حرم الظلم على نفسه يعني منع نفسه من الظلم لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى فلا يعذب أحدا بغير عمله ولا يعذب أحدا إلا بما عمله وهذا هو العدل أما لو عذب على شيء لم يعمله فهذا ظلم والله سبحانه وتعالى منزه عنه لقوله إني حرمت الظلم على نفسي. Le cheikh dit que l'injustice, al-zulm, c'est l'injustice, il y a la troisième catégorie, c'est l'injustice d'une personne envers les autres personnes, et ça c'est de transgresser contre eux dans leur bien, dans leur honneur, dans leur saint, c'est-à-dire donc de leur faire du tort dans ces choses-là. Et Allah ne le pardonnera pas à la personne qui le commet, excepté si la personne qui a été maltraité ou à qui on a fait l'injustice a excusé la personne qui lui a fait le mal et qui lui a fait l'injustice. Donc si le tort que tu as fait c'est entre toi et Allah, ou bien dans le sens que tu as commis le shirk, tu peux te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte ta repentance, tu rentres dans l'islam. Ou bien c'est un tort que tu as fait à toi-même en désobéissant à Allah et que tu demandes pardon entre toi et Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Mais si c'est un tort que tu as fait à une troisième personne, quelqu'un d'autre, tu as pris son bien, tu as pris son argent, tu as attaqué son honneur, ou bien tu as attaqué tu lui as fait une blessure, ou tu l'as par exemple tué ou frappé ou des choses comme ça, alors là, dans un cas pareil, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner l'individu tant qu'il ne s'est pas excusé, et que la personne à qui on lui a fait le tort ou l'injustice ou le mal n'a pas excusé la personne en question. D'accord? Donc c'est pour ça que les ulama, quand ils parlent de la repentance par exemple, ils mentionnent comme condition, ils disent qu'il faut avoir le remords, il faut cesser de commettre le péché, il faut avoir la ferme conviction de ne plus retourner à ce péché-là, et si ça implique une troisième personne, il faut remettre la chose en question à la personne. Donc si par exemple c'est quelque chose qui a été volé, il faut, pour que Allah te pardonne de ce péché-là et pour qu'il accepte ta repentance, que la chose qui a été volée soit rendue à la personne en question. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas la personne, et il dit que dans des cas pareils,
s'il n'y a pas d'excuse de la part de la personne à qui on a fait l'injustice, alors dans ce cas-là, il y aura bien entendu au jour de la résurrection le talion qui va être établi, c'est-à-dire chaque personne va être punie pour l'injustice qu'il a fait pour l'autre, et chacun va avoir la rétribution, hein, c'est-à-dire lorsque quelqu'un t'a fait une injustice, eh bien, au jour de la résurrection, tu pourras demander des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu vas pouvoir demander à cette personne-là des comptes, puis Allah subhanahu wa ta'ala va te yani, va punir cette personne-là, ou bien va lui faire yani, rembourser ou réparer l'injustice qu'elle t'a faite, yani, d'une façon ou d'une autre, soit par des hasanat, hein, que la personne va te donner au jour de la résurrection, ou autre moyen, autre manière, hein. Oui, après. D'accord. Donc, le chef, il dit, إِلَّا بِمَا عَمِلَ وَهَذَا هُوَ الْعَدْلِ. Et le chef, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit lui-même l'injustice. Il s'est interdit l'injustice à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et pourquoi? Parce que ça ne lui convient pas. L'injustice ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas faire de punition à quelqu'un, il ne va pas punir quelqu'un excepté pour une action qu'il a fait. Donc Allah ne va pas te punir sauf pour un péché que tu as fait ou quelque chose de mal que tu as fait. Il ne va pas te punir comme ça pour rien, pour quelque chose que tu n'as pas fait. Il va uniquement te punir pour quelque chose de mal que tu as fait ou quelque chose que tu n'as pas fait mais que tu devais faire, hein. Quelque chose que tu devais faire et que tu n'as pas fait, ou quelque chose que tu ne devais pas faire et que tu l'as fait, hein. Donc, il ne va pas punir quelqu'un injustement sans que la personne n'ait mérité ce châtiment-là, parce que Allah, il est juste. Hein? Mais le fait de punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, comme il n'a rien fait de mal, ou il a fait ce qu'il devait faire, puis on le punit, ça c'est de l'injustice, et Allah est, bien entendu, purifié de toute cette injustice-là. Et il dit, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et il y a juste un petit point que je voudrais ramener à propos de ça, justement, c'est que c'est comme Cheikh Ibn Uthaymeen l'expliquait dans l'explication de, justement, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice. Il expliquait que selon la position de Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport aux attributs de négation, dans le sens que les choses que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à propos de lui-même, comme l'injustice par exemple, il dit que dans la négation, ça ne devient pas une perfection, excepté si on affirme le contraire opposé, le parfait opposé, pardon, ou le parfait contraire. Dans le sens que, si tu dis par exemple que Allah ne fait pas d'injustice, ça, en tant que tel, c'est pas une glorification d'Allah. Tant que tu n'as pas compris que ça implique qu'il est parfaitement juste. Pourquoi? Parce qu'il donnait l'exemple, il dit, si tu dis par exemple à propos d'un mur, le mur ne fait pas d'injustice, c'est pas une glorification, parce que le mur, il peut rien faire. Hein? Et comme il y a des gens comme aujourd'hui, des gens qui disent, mais moi je fais pas de mal à personne. Mais la mouche aussi, elle fait pas de mal à personne. Et pourtant, on va pas glorifier la mouche, hein. Donc, le fait de dire que Allah ne fait pas d'injustice, c'est pas en soi, en tant que tel, une glorification, tant qu'on n'a pas nié, ou tant qu'on n'a pas affirmé qu'il est parfaitement juste, hein. Et, le cheikh, il dit, donc, que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit pour lui-même l'injustice. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله وجعلته بينكم محرما أي بين العباد محرما يعني حرم الله الظلم وأخبر أنه يأخذ الظالمين ويهلكهم. Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est ça que je voulais dire. Les obligations que tu négliges. Oui, dans ce sens-là. Quand je dis les choses que tu n'as pas fait que tu devais faire, c'est dans le sens que les obligations qu'Allah t'avait ordonné de faire et que tu n'as pas fait, alors que c'était obligatoire pour toi. Comme par exemple de faire la salat, ou bien par exemple donner la zakat, lorsque c'est obligatoire,
et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Si tu abandonnes l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça aussi c'est un péché si tu n'as pas d'excuse. Si tu n'as pas d'excuse valable, et que tu vois quelqu'un, tu ne lui donnes pas la nasiha, dans ce cas-là, tu as abandonné une obligation. Sauf si tu as une excuse valable. Ou bien sauf si tu penses que le moment n'est pas propice, mais que dans ton cas, tu as l'intention de lui faire la nasiha à un autre moment où tu penses que ça va être plus propice de la faire. Parce que des fois, ce n'est pas le bon moment. Wallahu a'lam. Dans des situations comme ça. Le chef, il dit, wa qawluhu wa ja'altuhu baynakum muharrama, ay bayn al-ibad muharraman, harrama Allahu al-dhulm wa akhbara annahu ya'khudhu الظالمين ويهلكهم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا أو آجلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا لا يجوز ظلم أحد حتى الكفار لا يجوز ظلمهم قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والتعدي. Le cheikh il dit que Allah il a dit ensuite et je l'ai rendu interdite entre vous, c'est-à-dire entre les serviteurs. Allah a interdit l'injustice et il nous a également informé qu'il va attraper, il va punir les injustes au jour de la résurrection, il va les faire périr. Il dit dans le Coran, dans le verset 42 dans Surat Ibrahim, et ne pensez pas que Allah est indifférent ou insouciant de ce que font les injustes. Ne pensez pas que Allah est insouciant de ce que font les injustes. Parce qu'il y en a des fois, ils voient les gens qui font de l'injustice sur la terre et qui ne sont pas punis tout de suite. Les gens disent, ah mais comment ça se fait qu'ils font de l'injustice, ils ne sont pas punis. Ne pensez pas que Allah il est insouciant de l'injustice que font les injustes. Peu importe le niveau d'injustice et le degré d'injustice qu'une personne a atteint, il faut absolument qu'un jour ou l'autre, il soit puni. Il va trouver une part de cette injustice-là qui va retomber sur lui, tôt ou tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, et craignez, et faites attention, prenez garde à l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre cette invocation-là et Allah. L'invocation de l'opprimé, peu importe qu'il soit musulman ou non, il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Donc c'est très dangereux pour toi si tu fais de l'injustice, et tu risques d'être puni par Allah, même si ton ennemi ou la personne à qui tu fais de l'injustice est un kafir. Peu importe que l'injustice est faite à un musulman ou un kafir, il n'est pas permis de faire de l'injustice à quiconque. Même au kafir, il n'est pas permis de leur faire de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 8, dans Surat Al-Ma'ida, et que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste ou à l'injustice, à être injuste envers eux. Soyez juste. C'est plus près de la piété, c'est plus près de At-Taqwa. Donc, ça c'est pour dire que même si tu as un problème avec des koufars, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens que tu détestes en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas leur faire de l'injustice. Tu ne dois pas leur faire de l'injustice parce que l'invocation de l'injuste, elle est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est une invocation qui est faite par un kafir qui invoque Allah contre un musulman. Même si c'est... Ouais,
Non, de l'opprimé. Oui, c'est ça que je voulais dire. De la personne, l'invocation de la personne à qui on a fait l'injustice. C'est ça que je voulais dire. Donc, même si le kafir, c'est une ennemi d'Allah, il désobéit à Allah, il fait le shirk, il fait le kufr, mais tu lui fais de l'injustice, et lui il invoque Allah, il demande, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Parce que Allah n'aime pas l'injustice et la transgression. Peu importe de qui elle est faite. وقوله سبحانه فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من تظالم العباد وقد حذر الله من الظلم في كتابه في آيات كثيرة وتوعد الظالمين وضرب لنا الأمثلة للظلمة الذين أخذهم الله عز وجل تحذيرا لنا من الظلم ومن عادة الإنسان أنه ظلوم إلا من رحم الله قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا الأحزاب سورة الأحزاب إلا من من الله عليه بالدين والإيمان فإنه يتطهر من هذه الخصلة قال المتنبي والظلم من شيء من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم Qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh dit ici, alors, étant donné qu'il a rendu interdite, il a rendu l'injustice entre vous interdite, alors ne vous faites pas de l'injustice les uns envers les autres. Le Cheikh il dit, ça c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas vous faire de l'injustice les uns envers les autres. Et yani, de ne pas faire du tort aux serviteurs d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre l'injustice dans son livre, dans beaucoup de versets. Et il a menacé les gens qui font de l'injustice. Et il a donné beaucoup d'exemples de la part des... dans le Coran, il donne beaucoup d'exemples des gens qui ont été injustes envers d'autres et qui ont été par la suite attrapés par Allah subhanahu wa ta'ala et punis. Et donc, ça c'est pour nous avertir contre l'injustice. Et ça c'est dans la nature de l'être humain. C'est l'habitude de l'être humain d'être injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à propos de l'être humain, il dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Et l'être humain, lui, il a pris la charge de la responsabilité et il est certes injuste et ignorant. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme, il est injuste par nature, il est ignorant par nature. Et donc, excepté celui à qui Allah a fait la grâce, il lui a fait la faveur de lui donner la religion et la foi, et qui s'est purifié de cette mauvaise caractéristique-là. Mais sinon, ça fait partie, à la base de la nature humaine, d'être injuste et d'être ignorant. Et donc, on doit demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces caractéristiques-là et essayer de se purifier de cette injustice-là qui est en nous. Et il cite les paroles d'un poète qu'on appelle Al-Mutanabbi, qui dit « Al-Zulmu min shiyamin nufusi wa fa'in tajid ba'ifatin fa'li'illatin la yazlimu » C'est-à-dire que, yani, l'injustice, ça fait partie des caractéristiques des âmes humaine, c'est-à-dire ça fait partie de la nature humaine. Et si tu trouves quelqu'un qui fait pas d'injustice, souvent c'est parce qu'il a un problème qui l'empêche de faire de l'injustice, ou une faiblesse, ou un défaut qui l'empêche d'être injuste. C'est pas parce qu'il veut pas être injuste, c'est parce qu'il a un problème qui l'empêche de l'être. Et Al-Mutanabbi donne cet exemple-là pour montrer que, à quel point l'homme est injuste. C'est un poème qu'il mentionne comme ça, comme exemple. C'est-à-dire, comme par exemple, quand quelqu'un, par exemple, il est fort, il est capable d'être injuste, parce qu'il a la capacité pour l'être. Mais s'il est faible, il ne peut pas être injuste, tu comprends? C'est plus facile aux États-Unis d'être injuste
que à Haïti, par exemple, hein, dans le monde, si on prend par exemple la force militaire, etc. Quand tu es puissant et fort, et que tu as peur de personne, que tu peux écraser n'importe qui, eh ben, tu peux faire de l'injustice. Hein. Mais si tu te retiens de faire de l'injustice alors que c'est toi qui es le fort, c'est là que tu es vraiment juste et honnête. Hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui est miséricordieux. On dit de quelqu'un qui est miséricordieux quand il est fort et quand il a le pouvoir de punir et d'écraser celui qu'il veut écraser. Mais celui qui est faible et qui n'a aucune force, aucun pouvoir, est-ce qu'on dit de lui qu'il est miséricordieux? Non, parce que de toute façon, il ne peut même pas ne pas être miséricordieux, il n'a pas le choix. Donc c'est dans ce sens-là. Le Cheikh dit Subhanahu, qala Subhanahu, يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم كل العباد ضالون عن الحق إلا من هداه الله أي دله وأرشده إلى الحق وثبته فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونفض الأدلة للناس لا بقوا في ضلالهم ولكن الله من رحمته بهم هداهم ودلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم والهداية على قسمين الأول هداية بمعنى البيان والإرشاد وهذه حاصلة لكل أحد فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم يعني دللناهم على الإيمان على طريق الصحيح ولكنهم لم يقبلوا الهدى بل استحبوا العمى على الهدى هذه هداية عامة. Le Cheikh il dit que ensuite Allah dit « Ô mon serviteur, vous êtes tous égarés, excepté celui que j'ai guidé. Alors demandez-moi la guidance et je vous guiderai. Tous les serviteurs sont égarés de la vérité, sont éloignés de la vérité, excepté celui que Allah a guidé, c'est-à-dire celui à qui Allah a donné les preuves et l'indication et l'orientation vers la vérité, et qu'il l'a raffermi sur cette vérité-là. Sinon, hein, sans la guidance d'Allah, c'est-à-dire sans que Allah ait envoyé les messagers, fait descendre les livres et établir les preuves pour les hommes, eh bien ils seraient tous restés dans l'égarement. Hein. S'il n'y avait pas eu de messagers, s'il n'y avait pas eu de révélations et de livres, tous les hommes seraient égarés, tous les hommes seraient dans l'égarement. Hein. Mais le fait qu'il a envoyé les messagers et envoyé les livres et les révélations, eh bien, c'est la preuve qu'il les a guidés, hein, qu'il leur a donné les preuves pour qu'ils se sortent de cet égarement-là. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah pour ces créatures-là. Il les a guidés, hein, par sa miséricorde, il leur a montré les preuves de la vérité, il les a orientés, et il leur a donné le succès et il les a raffermis dans la guidance. Donc, la guidance, elle est de deux catégories. Il y a la première catégorie de guidance qui est la guidance dans le sens que Allah nous a clarifié la vérité et il nous a orienté vers la vérité. Et cette guidance-là, elle arrive à tout le monde, elle est pour tout le monde. Dans le sens que Allah, il montre à tout le monde la vérité. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il veut savoir la direction pour aller, par exemple, à New York. Ben, Allah, on peut donner à cette personne-là la direction. Si tu lui donnes le chemin, tu dis, bon, tu vas prendre l'autoroute 87 et tu vas descendre vers le sud, hein, et tu vas arriver jusqu'à New York. Si après que tu lui as montré tout le trajet, tu lui as montré toute la trajectoire et toutes les choses à suivre, lui, il décide de prendre un autre chemin par la suite, ça, c'est lui qui a décidé de s'égarer et de prendre un autre chemin. S'il se perd, c'est sa faute. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé la guidance, nous a envoyé les messagers, nous a envoyé les livres,
Donc, il a donné à tout le monde la chance d'être guidé et la possibilité d'être guidé en suivant cette révélation-là. Puis, c'est dans ce sens-là que tous les hommes sont guidés, que ce soit des croyants ou des non-croyants, des mu'minis ou des kuffars, dans le sens que Allah leur a tous donné les indications et les preuves de ce qui est correct en envoyant les messagers et en faisant descendre et en révélant les livres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah, le verset 38, « Si une guidance te vient ou vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidance, alors il n'aura aucune crainte, il n'aura nulle crainte et ils ne seront pas affligés. » Et il mentionne le verset 17 dans Surat al-Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « En ce qui concerne Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. » فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى Allah les a guidés, il leur a envoyé un messager, des messagers avec des miracles et des preuves pour leur faire comprendre où est-ce qu'elle est la vérité. Mais ils ont préféré s'aveugler, ils ont préféré fermer les yeux, ils ont préféré ne pas écouter et rejeter la foi. Donc, ils ont choisi l'égarement. Et donc, le cheikh il dit que quand Allah il dit dans ce verset-là, فَهَدَيْنَاهُمْ يعني on leur a montré le chemin vers la foi. On leur a donné les preuves de la foi, hein? On leur a montré le droit chemin, le bon chemin, mais ils n'ont pas accepté la guidance. Ils ont istahabbu al-'ama 'ala al-huda. Ils ont plus aimé, hein? Ils ont préféré l'aveuglement que la guidance. Ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Et donc ça c'est une guidance dans le sens général, comme une guidance qui arrive à tout le monde. Hein? Puis il y a une autre guidance, ثاني هداية خاصة وهي هداية التوفيق والقبول وهذه لا ينالها إلا أهل الإيمان فقوله كلكم ضال إلا من هديته يعني وفقته للحق وهي الهداية الخاصة أما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. Donc, le cheikh il dit que la deuxième catégorie de guidance, c'est la guidance particulière dans le sens que c'est la guidance du succès et de l'acceptation de la foi. Et cette guidance-là, c'est uniquement les gens qui possèdent la foi qui la reçoivent. Hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Kullukum dallun illa man hadaytu » Vous êtes tous guidés, excepté ceux que j'ai égarés. Pardon, vous êtes tous égarés sauf ceux que j'ai guidés, c'est-à-dire excepté ceux à qui j'ai donné le succès d'accepter la vérité, hein? Et ça c'est une guidance qui est particulière, hein? Sinon la guidance générale elle arrive à tout le monde. Et puis dans ces paroles-là il y a un point important que le cheikh ne mentionne pas ici mais qu'il a expliqué dans d'autres de ses livres et dans d'autres de ses cours, il explique que c'est très important de se souvenir que dans la guidance et dans l'égarement, il y a des causes. Il y a des causes pour être guidé et il y a des causes pour être égaré. Celui qui veut être guidé et qui ne prend pas les causes pour l'être, il ne sera pas guidé. Et celui qui veut être guidé mais qui suit les causes de l'égarement, également ne sera pas guidé. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à chaque fois qu'il parle de la guidance, il mentionne toujours qu'il y a des causes pour la guidance. Comme par exemple, il dit « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Et ceux qui ont fait des efforts vers nous, alors on va les guider vers nos chemins. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ » Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran. Et il y a d'autres versets qui montrent qu'il y a des causes pour l'égarement aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Lorsqu'ils se sont déviés, Allah a fait dévier leur cœur. Parce qu'ils ont choisi de se défier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah n'est pas injuste, Allah est juste. Et il est sage. Donc, celui qui fait les efforts et qui veut la guidance, et qui recherche la guidance, Allah va lui faciliter la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça justement dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc,
celui qui fait les efforts, qui fait les moyens pour être guidé, Allah va le guider, hein, il va l'amener vers le paradis. Et celui qui fait le mal et qui se pense suffisant à lui-même, qui traite de mensonge la vérité, qui se détourne, eh bien, Allah va lui faciliter le chemin vers l'égarement, vers l'enfer. Donc, chaque chose, elle a sa cause et selon l'attitude de la créature, Allah va le guider ou l'égarer. Hein, et il est juste et sage. وقوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية بأن تقولوا اللهم اهدني اللهم دلني على الخير اللهم وفقني له اللهم ثبتني عليه تكثر من الدعاء أن يهديك الله عز وجل أهدكم هذا جواب الأمر فمن طلب من الله جل وعلا الهداية بصدق وإقبال ورغبة هداه لأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى وقد وعد أن من استهداه فإنه يهديه هو سبحانه وهو سبحانه لا يخلف وعده وهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية donc le cheikh il dit alors demandez-moi la guidance c'est-à-dire demandez la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire en disant « Oh Allah, guide-moi. Oh Allah, indique-moi le bien. Oh Allah, donne-moi le succès vers la guidance. Oh Allah, raffermis-moi sur la vérité. » Hein? Et tu demandes toujours à Allah de te guider, constamment. Et Allah va te guider. Hein? Il dit « Ahdikum, fastahduni ahdikum. » Je vais vous guider. Et ça, c'est la réponse à l'ordre. Celui qui demande à Allah de le guider avec sincérité, avec en se tournant sincèrement vers Allah et en voulant sincèrement la guidance, Allah va le guider. Pourquoi? Parce qu'il est proche et il est celui qui exauce les invocations. Et il a promis à quiconque lui demande la guidance qu'il allait le guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Et donc ça c'est qu'est-ce qui vient confirmer que si que le serviteur doit toujours demander à Allah la guidance, hein, le plus souvent possible. Donc le cheikh, on va terminer avec ce petit paragraphe. Le cheikh il dit « قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الرزق من الله جل وعلا فهو الرزاق ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها تفضلا منه سبحانه وتعالى فالرزق ليس بحولنا ولا قوتنا وإنما هو تفضل من الله ولكن نحن نعمل الأسباب لطلب الرزق والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى الشيخ الذكر ensuite dans le hadith Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh mon serviteur vous êtes tous affamés vous avez tous faim excepté celui que j'ai nourri. Et il nous dit que le risque, la subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est le pourvoyeur de cette subsistance-là. Et si ce n'était pas de sa subsistance, tous les hommes auraient faim. Toutes les créatures seraient affamées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chaque créature sa subsistance et lui fait parvenir son risque. Hein? Et donc, ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que les créatures reçoivent leur subsistance. Donc le risque, c'est pas par notre propre mouvement ou notre propre force, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'obtient, mais nous on fait les causes et on prend les moyens nécessaires qui sont halal, qui sont bons, hein, pour arriver à obtenir et rechercher ce risque, puis par la suite les résultats sont entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Tu peux semer dans ton champ toutes les graines que tu veux et tu mets ta confiance en Allah, mais le résultat, est-ce qu'il y a une récolte qui va pousser ou non, ça c'est appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu fais les causes, puis le résultat c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide par la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum. À demain inshallah. Demain, on change l'heure cette nuit ou demain? Cette nuit? Ok, donc...